すいません、日本の方もいらっしゃるみたいで。Est-ce que tout le monde comprend le français? Certains comprennent le japonais déjà. Japonais? Oui. Le français? Ni français ni japonais. Non. Bonjour. 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 Oui, vous avez déjà goûté le saké japonais? Est-ce que vous avez déjà goûté le chocolat de Tokyo Chocolate? Non? Vous avez un stand normalement au salon de chocolat. Ah, vous avez... merci beaucoup, vous avez déjà acheté. D'accord. Et sinon, vous avez un stand qui est disponible dans le salon au C2. Voilà, ils ont un stand qui est magnifique juste derrière la scène. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire l'association entre le saké japonais et le chocolat? Non, c'est vraiment une expérience inédite. Hein. Voilà. Donc là, on est en train de faire circuler le saké. Vous avez un bonbon chocolat devant vous. Merci d'attendre les explications. Voilà. Je passe le micro, microphone à chef pour vous expliquer un peu l'association entre le saké et le chocolat. お願いします。はい。では始めたいと思います。まず食べ方と飲み方の順番が今回3種類ともではないですね、ちょっと違うのがありまして、まずその順番を私の方から言った後に皆さん飲む食べるをしてください。まず、はい、tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y aura trois types de saké différents avec trois accords de chocolat qui vont s'associer avec le chocolat.De saké. Donc en fonction de la dégustation, je vous dirai en fait à quel moment il serait mieux de prendre la petite gorgée de saké avant ou après la dégustation. 最初のお酒は、こちらのマルシンマサムレというお酒です。お米と、水から、お酒はできてます。Alors, le premier saké, la première dégustation sera autour de saké Marushin Masamune. Je pense que tout le monde connaît comment le saké est composé. C'est majoritairement de l'eau et du riz. こちらのお酒は、お米を、60% まで磨いたもの、外側を 40% 削ったものになります。Alors, le riz est travaillé en riz, parce qu'il y a de...il faut la préparer. Donc effectivement, la composition de riz, quand vous voyez chaque grain de riz, il est taillé jusqu'à 40%. Donc il reste encore 60% de riz qui reste. Donc voilà, c'est comme ça qu'on donne aussi les grades de différents sakés.皆さんのところに配られているチョコレートは源と言って東京の川の流れに青空が映し出されたAlors, sur votre assiette, vous pouvez constater ce qu'on appelle minamo. Minamo veut dire c'est le reflet du soleil ou de la lumière naturelle sur un plan d'eau ou sur la rivière. Iso になってまして、上がパートの栗、柚子とこちらのマルシンマサンテンを使用したパートの栗、下の層がガナッシュ、柚子とこちらのAlors, ce chocolat, c'est en bicouche. Vous allez constater que la partie en dessous, c'est de la ganache, et la partie supérieure, c'est une pâte, enfin, on appelle gelée ou pâte de fruits. Et dans les deux couches, il y a quelques gouttes en fait de Marushi Masamune, ce saké que vous allez en plus déguster.Donc après, vous allez trouver aussi dans cette ganache une note de yuzu. Je ne sais pas si tout le monde connaît le yuzu. C'est un cédra, c'est comme du citron japonais. Donc voilà, il y a ce mariage acide et un peu voilà, une note de saké qui est intégrée dans la ganache.今回の試食の仕方は、まずチョコレートの方を食べていただいて、柚子の香りの中にこちらの日本酒を感じてみてください。ただ日本酒のこの感じが分からないと思いますので、その次に日本酒の杯の日本酒を飲んでいただいて、チョコレートの中にある日本酒を感じてください。Nous vous conseillons d'abord de croquer dans le chocolat
déguster en fait, voilà, c'est une note peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le saké Maruchan Masamune, vous allez découvrir à travers la ganache ce que c'est et boire une petite note de saké, comme ça vous allez découvrir ce que c'est vraiment cette saveur de saké et après vous allez peut-être reprendre voilà, une gorgée de saké, donc après c'est à votre volonté, donc top que vous êtes voilà, parti pour la dégustation. Chef, lorsqu'on fait une dégustation de bonbon au chocolat comme ça, est-ce qu'il faut bien mâcher les bonbons ou est-ce qu'il faut laisser fondre dans la bouche très doucement quel est votre avis là-dessus ? 最初何回噛んでいただいて、ゼリーと、チョコレートガナッシュが口の中に広がるように、していただいて、あとは舐めるように刺すように、喉の奥を通してください。Les couches ont des textures différentes. Donc, vous avez de la ganache et la partie pâte de fruits. Donc, au lieu de le faire peut-être faire fondre dans le palais, il serait peut-être mieux de croquer un petit peu. Voilà. Et après, laisser fondre voilà, sur votre palais. Et c'est comme ça que vous allez découvrir le saveur qui se développe dans votre bouche. 目をつぶっていただいて、鼻から息を吐くとその中に、柚子の香りと日本酒の香りが通るかと思います。Alors voilà, si vous pouvez effectivement aussi pour ceux qui restent encore une petite bouchée, ça serait mieux que voilà que vous allez inhaler un peu alors, respirer et expirer en fait par le nez et du coup vous allez peut-être mieux savourer cette note de saké.Et la note de yuzu, le côté un peu acide. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un goût que vous êtes familier déjà, un chocolat qui est une note de saké, une association de chocolat et le saké japonais en même temps? Qu'est-ce que vous en pensez?Vous ne connaissez pas du tout, ouais. Est-ce qu'il y a des notes que vous trouvez, que vous connaissez déjà dans les sakés, comme les fruits ou herbacées, je ne sais pas, agrumes. Parce que normalement, chef, vous avez utilisé ce saké pour faire la création de ce bonbon au chocolat, c'est ça? C'est ça. Super.Ok. Ça vous plaît? Ouais? Parfait. Et du coup, est-ce que, chef, vous utilisez souvent les sakés dans les créations de vos bonbons au chocolat ou juste vos créations de goût? そうですね。最近日本酒を使うこと多くなっています。少し入れて、素材の良さを引き立たせる。いっぱい多くを入れて、その日本酒の味にすると。Alors, il y a deux types en fait d'employer le saké. Donc, premièrement, je mets juste une petite note pour relever en fait les ingrédients que je compose avec le chocolat, ou ça peut être une certaine quantité importante pour vraiment faire découvrir la note de saké. Donc, j'ai deux manières de travailler le saké, mais ça devient de plus en plus fréquent dans ma création.Chef, vous êtes un grand amateur de saké, voilà. Pour bien déguster un saké à la maison, est-ce que il faut chauffer ou est-ce que il faut refroidir ou est-ce que vous avez des astuces pour comment déguster un saké? Qui boit le saké à la maison? Oui. Vous buvez comment à la maison? Comment?Ah, vous ne savez pas comment. Donc là, c'est une bonne occasion de savoir. Et vous le dégustez comment, le saké? Moi, c'est plus du saké chinois, mais je le bois à température ambiante et je l'ai déjà testé chaud. D'accord. Ok. C'est pas du tout pareil. Hi. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Là, on parle de saké japonais. Voilà, qui est un peu différent. Voilà. Et après, on va poser la question de... Quelle est la particularité justement des sakés japonais aussi? Oui, c'est ça. 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 Oui, c'est ça
まあ、常温からあと冷や酒、冷蔵庫に入れるタイプですね。から、少しずつ5度ぐらいの差で、ぬる燗、熱燗、飛び切り熱燗、いろいろな段階があります。特に今回のお酒に関しては、ほんのり暖かい34度ぐらいで、全部飲まれると香りがすごい口の中に広がって鼻から出てくる香りも、グレープフルーツのような、柑橘系の香りがすると思います。私は先ほど言われた常温か、少しだけ温める方がお酒の味が分かるかと思います。Alors, il y a différentes manières de déguster le saké, c'est-à-dire qu'on peut effectivement, tout dépend de la température ambiante, hein, enfin, ça dépend du climat, mais effectivement il y a la température ambiante, et après effectivement on peut froidir aussi, donc mettre au frais, et sinon on peut monter donc, quelques degrés, donc à peu près de 5 degrés de plus, jusqu'à donc, température ambiante un peu plus chaude, mais effectivement modérément. Et après, vous avez jusqu'à très chaud. Donc, quand on dit très chaud, vous... 45 度から48ぐらいですかね。はい。Alors, à l'extrême, on peut aller jusqu'à 45 ou 48 degrés. Donc, on peut chauffer le saké. Effectivement, donc, il y a ces différentes manières donc, de déguster le saké avec différentes températures. Et aujourd'hui, bon, ce saké, on va déguster malheureusement à la température ambiante, hein, de ce qui est donc dans le salon. Mais peut-être, ces trois bouteilles, il serait aussi recommandé de faire chauffer jusqu'à 34 degrés. Pourquoi ? Parce que les notes fruitées, ça va se relever beaucoup plus. Donc ce côté un peu agrume, on peut dire même plus douce, qu'on le ressent en fait après avoir dégusté. Et ça, chef adore voilà, cette note. Donc peut-être monsieur, vous avez dit tout à l'heure température ambiante. Bon, chef aussi, voilà, moi j'aime aussi déguster le saké légèrement mis à une température élevée. あまり熱くしてしまうと、こう飲んだ時にアルコールがパッと鼻の中に入ってきてしまうので、最初からもうきついイメージになってしまって味がわからなくなります。なのであまり熱感はおすすめしないです。Effectivement, donc, comme je viens de faire ce geste, donc, quand il s'est trop chauffé, donc, c'est la vapeur qui va vous donner tout de suite l'odeur assez forte, assez marquée en fait, du saké. Donc vous n'avez pas le temps de pouvoir savourer. Donc il faut rester quand même à une température modérée, donc, ne pas dépasser les 40, mais entre 34 et 36, etc. お酒好きなんですけども、ショコラティエなので、次に移りたいんですけどよろしいでしょうか。Excusez-moi, moi je suis amateur bien sûr de saké, mais j'aimerais aussi parler autant sur le chocolat. Donc j'aimerais bien passer. Madame, vous parlez pas très fort. Alcool 度数は14度でワインと一緒です。Tout alcool il a 14%, donc il n'est pas si fort, c'est comme du vin, voilà, c'est pas trop fort. では次に移りたいと思います。お願いします。次のお酒は、こちらの蒼天殿。先ほどが、40% お米を磨いたと言ってますが、下が今度は 55% 外側を、なくしたお酒です。Alors, la deuxième dégustation, c'est le saké qui s'appelle Sōtenden. Donc le tour du nord de l'île, il est à 45%.合わせるチョコレートは、日本の沖縄の塩ムチマースという塩を使った、チョコレートです。La deuxième dégustation, le chocolat qui vous est distribué et qui est en train de circuler, contient effectivement du sel qui s'appelle ムチマース et ce sel.Et de provenance d'Okinawa. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Japon, Okinawa se trouve à l'extrême sud de Japon, c'est dans l'archipel de Japon. Okinawa のムチマースという塩はあまり塩辛くなくてミネラル分が豊富な塩です。ムチマース c'est du sel qui est très riche en termes de minéraux, et pourtant le goût n'est pas si fort, on ne le sent pas très salé.
今回は、ホワイトチョコレートに、ヌチマースと、あとアクセントにアーモンドとシリアルを入れております。 Alors, pour accentuer donc, ce sel, j'ai agrémenté avec du chocolat blanc, et vous allez voir des petits cocos qui sont à l'intérieur, donc il y a des amandes et des céréales.今度のチョコレートにはお酒は入っておりません。飲み方食べ方は先にお酒を飲んでいただいて次にチョコレートをかじるという方法をとってください。Alors pour la deuxième dégustation, je vous recommanderai d'abord déguster le saké et après vous allez déguster votre chocolat.Bien sûr, vous pouvez faire aller-retour, hein, ça c'est comme vous voulez. Mais on vous recommande d'abord de prendre une petite gorgée de saké. Est-ce que vous ressentez le côté fruité qui se développe dans votre palais? Est-ce que vous voyez la différence aussi par rapport aux premières, à la première dégustation?これから飲んでいただく、今飲んでいただいたのと、これから次飲むお酒は、大吟醸といって最高ランクの酒になります。 Alors, cette deuxième dégustation, donc, ce saké qui s'appelle Sopendan, et le suivant saké que vous allez déguster, on appelle ça la qualité premium qu'on appelle Daiginjo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Ginjo et Daiginjo, la différence, c'est que quand la contenance de vie après le brassage est inférieure à 50%, la grade est supérieure, on l'appelle Daiginjo. Donc au-delà, enfin je veux dire plus de 50%, entre 30 et 50% c'est Daiginjo, et plus de 50% c'est Ginjo, et après bon, vous avez aussi d'autres grades, voilà.日本では、お酒の魚、おつまみに、塩を食べるという習慣が大昔からありました。それを、再現したチョコレートとのマリアージュということになります。Au Japon, depuis très longtemps, nous avons eu cette tradition donc, de déguster le saké avec quelques grains de sel. 先ほどの一番最初に食べたのが、中に入れているチョコレートとのマリアージュ。今回は、まあ、素材が日本のものという形の、塩とお酒のマリアージュです。Alors, la première dégustation, c'est que le chocolat déjà contenait en fait de saké japonais. La suivante dégustation que vous êtes en train de faire, c'est avec du sel du Japon. Voilà. Et j'ai associé avec du saké japonais. Donc, dans le chocolat, il contient pas de saké, mais j'ai essayé de faire en sorte que le mariage avec des produits japonais.どうぞ後ろ の席立てられているお客様も今お酒は配れないんですけども、ヌチマースの方、チョコレートの方ですね、ありますのでご視聴ください。Ça vous plaît la dégustation de ce chocolat légèrement salé de manière très subtile et élégante, je pense. Chef, dans la création de vos chocolats et toutes les créations que vous faites, est-ce que vous réfléchissez à différents moments dans la journée où les gens ils peuvent déguster les chocolats ou avec qui Marie associe les chocolats, avec quel produit ou quelle boisson il associe les chocolats?Qu'il soit le vin ou le brandy ou whisky ou saké ou goûter au café, quel moment de la journée, quelles sont vos aspirations pour vos créations? そうですね。チョコレートを食べて何が合うのかなって一番最初に来たものを合わせます。La réponse est très simple. Quand je crée enfin le chocolat.Je vais tout de suite penser en me disant voilà, quelle boisson, enfin, vin, saké ou autre, qui s'associe en accord. Donc, c'est pas forcément que le saké, bien évidemment. Le saké だけではなくて、その時、何の他の素材ですね。第一印象をですね、これとこれもしかしたら合うかもしれないなというものを合わせると、大概うまくいきますね。
Alors, c'est un peu mon intuition, donc quand j'ai une impression voilà, qui vient comme ça à mon esprit, et forcément, c'est quelque chose qui s'accorde au mieux. Donc, j'essaie de faire confiance à mon intuition, je crois. Et pour vous, là, par exemple, vous avez utilisé un sel qui vient d'Okinawa. Est-ce que vous avez un produit fétiche, un produit d'origine japonaise ou autre, d'origine française ou partout dans le monde? À part le chocolat, est-ce que vous avez un produit que vous adorez utiliser dans les créations? で一番好きな素材というのは、北から南一番作られている塩ですね、そのところどころによって作り方が違って味が全部違います、塩の食べ比べだけ私東北を遠征したこともありますので。Moi j'ai quasiment dégusté, enfin du nord au sud, quasiment tous les sels enfin, du Japon. Et ça, il y a vraiment une régionalité et c'est vraiment ancré par région. Donc moi je pense que le produit sel est quelque chose d'assez primordial et j'apprécie beaucoup quand j'associe aussi avec le chocolat. D'autres pays de sozai, to yuwareru to, ima, watashi Indonesia to ka Colombia to ka itte.カカオになりますね。チョコレートの前のものを今いろいろ試してます。Alors, j'ai aussi voyagé par exemple en Indonésie ou à Colombie, effectivement pour aller voir les producteurs de cacao. Donc là, on est vraiment dans la matière plutôt brute et je m'y intéresse de plus en plus aussi au cacao. Donc, ça peut aussi être les deux produits en dehors du Japon, c'est le cacao et au Japon, j'apprécie beaucoup les sels.Merci beaucoup, chef. Donc le sel a un rôle très important dans vos créations. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces deux associations ou deux chocolats, les deux sakés que vous avez pu déguster aujourd'hui? Ou les commentaires? Ok, les questions par rapport à la création de chef Oishi. Parce que c'est pas souvent que vous venez à Paris. Hein. C'est vraiment une fois par an que vous venez à Paris pour le salon de chocolat, vous venez plus souvent? Pour le salon de chocolat, d'accord, bon, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que du coup, est-ce qu'on va passer à la troisième association? Oui. Alors, je vous laisse présenter le troisième saké. Le prochain saké est Toku Shihou, Dewazakura Chizou-san, Ichiro, qui est un grand chef.La troisième dégustation, ça sera avec autour de Ichiro. C'est du saké qui vient de la région du nord de Japon, qu'on appelle aussi Dewazakura. このお酒は、2008年の IWC のワインコンクールの酒部門で、見事にチャンピオンになったお酒です。Alors, ce saké Ichiro a été récompensé.En 2008 lors d'un concours international donc, qui s'appelle IWC et dans la section saké c'est celui-ci qui a été qui a eu le award. Salon de chocolat に来るちょうど3日前4日前ぐらいに3時間新幹線に乗ってこの蔵元に行ってきました。Alors juste avant de venir au salon de chocolat3-4 jours avant mon départ du Japon, je suis allée voir le caviste, enfin Ichiro, jusqu'à Yamagata, c'est la préfecture et au nord du Japon. Alors là, j'ai vraiment, cherché vraiment pour vous, donc j'ai beaucoup de pensées pour ce saké et c'est vraiment délicieux.合わせるチョコレートは抹茶のガナッシュになります。 Alors, j'ai associé avec de la ganache thé vert matcha. Matcha, c'est de la poudre de thé vert. こちらの抹茶のガナッシュにも少しだけこちらのイチロが入ってます。 Alors, bien évidemment, dans votre ganache, j'ai mis quelques gouttes. Enfin, quand on prépare, c'est pas quelques gouttes, mais par pièce, ça fait quelques gouttes. Donc,
de saké Ichiro que vous allez effectivement déguster. 食べ方の見方は、先に抹茶のガナッシュを食べていただいて、こちらの位置を感じてください。その後に確かめのために、日本酒を飲んでいただくという方法を取りたいと思います。Le mieux serait de prendre un petit cube de la ganache. D'abord, vous allez déguster et puis vous allez sentir donc, le ichiro qui est en fait dans la ganache.Et par la suite, vous allez déguster votre saké. Comme ça, vous allez mieux comprendre la note du saké. Donc, vous pouvez vous faire. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Bonne dégustation. Alors, est-ce que vous avez déjà goûté le matcha? Vous connaissiez déjà le goût de goût et de saveur de matcha? Oui, c'est quelque chose que vous utilisez souvent dans la pâtisserie pour ceux qui pratiquent. Hein, qui...Pour la pâtisserie à la maison ou non pas un petit peu quand même oui c'est ça commence à être à la mode en ce moment le matcha et est-ce que vous sentez un peu le saké Ichiro dans la ganache oui今回の抹茶のガナッシュに入っているこちらのイチロは、3%、4% ですね、ガナッシュの方に入っています。お酒の中、ガナッシュの中の 4% というのはお酒ですね、あんまり多くないです。入れている理由といたしましては、抹茶の苦味を抑えて、旨味を引き出すために入れております。Concerne la ganache, il y a à peu près 3-4% en fait, par rapport à l'ensemble de vos composants que j'ai rajouté donc, 3-4% donc, de saké Ichiro. Pourquoi j'ai utilisé le saké pour produire un ganache? C'est parce que le thé vert matcha a un goût plutôt amer. Et pour atténuer ce côté amertume, Ichiro se marie très bien pour avoir un accord et un équilibre.Effectivement compenser cette amertume. Oui. お米を55% 外側向いていくと、中の方が心拍といってお米の中中心部分、これをお酒にするとフルーティーな。Lors de brassage, en fait, le riz est, on peut dire, taillé. Donc, toute cette partie, 45% en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a que la partie essentielle qui donne plus de goût, en fait, en tenant du riz. Et en même temps, c'est ça qui fait l'aime, hein, le côté fruité. Donc, plus on taille le riz, plus en fait, ça donne un côté fruité, un verre de goût.まだ残っている方いらっしゃったら少し手で温めてですね、飲んでいただくとお米の香りがすごい立ってくると思います少し手で温めてですね effectivement jouer sur la température et peut-être voilà, ça donnera encore une autre note enfin, de saveur. もっとお酒の飲み方について言いますと、口に含んで空気を入れて鼻から出すというのが品評会とかでの本当の味の見極め方なんですけどもただ普通に飲んでいただいて鼻から出していただいて鼻からの香りと味を楽しむのがいいと思いますもっと専門的にやり方からこう口に空気を含んで、鼻から出すという方法をとってください Pour les professionnels, c'est comme dans l'univers de l'œnologue ou de la dégustation de vin
Donc vous prenez une petite gorgée, après vous allez prendre l'odeur que vous allez effectivement mélanger dans votre bouche pour mieux comprendre le goût. Mais là on n'est pas non plus à une dégustation professionnelle, donc vous pouvez rester très à l'aise. 今回のマリアージュで、ガナッシュの抹茶のガナッシュの日本酒を感じられた方いらっしゃいますか。Alors, est-ce que vous avez ressenti en fait le saké dans votre ganache? Pour ceux qui ont ressenti, voilà. 隠し味程度に入れたつもりだった。Alors, il y a vraiment c'est un goût qui est un peu le secret en fait de la ganache. Donc pour ceux qui ont pu détecter, voilà, c'est bien, vous avez vraiment un palais très sensible. Superbe, c'est comme ça. Ah, dingue. Chef, par exemple, moi à la maison, j'aimerais bien refaire la création de cette ganache. Quand on le fait à la maison, est-ce que moi-même je peux mettre un peu de saké dans la recette? Et c'est comment il faut faire en fait? Il faut le chauffer ou... あの少ない量を入れる分には、7% ぐらいまでしたらそのまま入れてください。ただし一番最後にガナッシュの出来上がってから入れるのがポイントですね。はい、ガナッシュが生クリームとチョコレート合わさって、全部攪拌されて、はい、冷めた後に入れないとアルコールが全部飛んでしまって香りがなくなってしまいます。Voilà, il y a quelques astuces à bien noter parce que effectivement quand on crée donc, de la ganache chez vous, à domicile, on va sauter les pourcentages des ingrédients et des composants. Mais la ganache elle est encore chaude parce qu'il faut laisser refroidir. Donc une fois que vous avez fait la partie crème liquide, etc., il faut laisser reposer, donc il ne faut pas mettre quand la composition de votre ganache est chaude, parce que le saké va s'évaporiser, voilà. Donc il faudrait laisser refroidir, et c'est à la fin que vous rajoutiez, si c'est inférieur à 7%, ça serait mieux que vous le rajoutiez de telle manière avec le saké à la température ambiante. Est-ce que vous avez des questions par rapport au chocolat ou les sakés ou à la création de Shibuichi? Oui. この抹茶のガナッシュは、ずっとこの何年間かサロンスーパーで作って出しているんですね。毎回毎回お酒変えてます。その時飲んでてその年に一番合うんじゃないかなと思ったお酒を使ってます。毎回違います。ça fait depuis plusieurs années que nous proposons donc cette ganache au thé vert matcha, et tous les ans je change par du saké. Pour cette année je me suis dit et Tino c'est bien. Donc tous les ans apparemment le saké change. Donc peut-être il y aura une année où il sera peut-être les deux années pareil, mais cette année c'est Ichiro. Et peut-être l'année prochaine ça sera aussi avec Ichiro qui va créer la ganache. この抹茶のガナッシュを思い出してこれ合うんじゃないかなっていうのがピンとくるんですよね。はい、そういうインスピレーションで、はい、そうですね、お酒を飲んだ時に。Quand je déguste le saké, par exemple, bon, c'est parce que j'ai découvert Ichiro, et c'est comme ça que mon instinct a dit que avec la ganache, ça va être vraiment un accord parfait. Donc si on a d'autres que je vais avoir cet instinct, bien sûr, je changerai mon saké. Et c'est comme ça que les autres ont été travaillés jusqu'à maintenant. Vous venez souvent au salon du chocolat, alors c'est quoi? C'est la 6e ou 7e année que vous venez au salon du chocolat en France? 16 ans. 16 ans! Ah oui!
Bravo, bravo chef. Et je pense que cette année, vous avez été récompensé d'un prix. Oui. Cette année, vous avez vraiment eu la chance d'avoir le award, un coup de cœur de jury. Et c'est une collection donc, de ganache. Ce n'était pas dans la dégustation, mais à notre stand C2, il reste encore peut-être quelques boîtes. Donc pour ceux qui veulent peut-être venir découvrir, vous êtes les bienvenus. Les coups de cœur de jury, ça ne m'étonne pas du tout. Bravo, chef de chocolat. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à son stand qui se situe à C2, c'est ça? Vous avez des bonbons au chocolat qui sont juste tellement. C'est très très ludique, bien coloré. Voilà. Merci beaucoup, chef, de votre présence et l'explication. S'il n'y a pas d'autres questions. Non? Ça va aller? Ah, oui, madame? チョコレートはすいません、購入できないんですね。なるほど、もう、申し訳ございません。ね、いつあれや、東京、せさ。東京。あと、来年も買えます。あと、今だけですね。あと、1日。L'année prochaine, il sera présent au salon de chocolat aussi。あと、今日、皆さん、お気に入られたチョコレートありましたら、東京チョコレートのブースには持ってますので、あります。Il en reste les chocolats, les bonbons au chocolat que vous avez préférés, si vous avez une préférence. N'hésitez pas à leur rendre visite à leur stand qui se trouve à C2, c'est ça, pour y retrouver les bonbons au chocolat et les ganaches et les chocolats blancs au sel d'Okinawa. Voilà. Merci beaucoup et chef, l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.